En bande dessinée, les héros japonais de manga pèsent 55% du marché français, 47% du marché belge francophone en nombre d'exemplaires vendus. Les mangas et les animes qui les accompagnent aident les jeunes à aller bien. Notre invitée en est persuadée, Béatrice Millettre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes psychothérapeute, spécialiste des adolescents et depuis longtemps passionnée de culture japonaise. Qu'est-ce qui vous a lancé dans les mangas, en fait ? Alors, ce qui m'a lancé dans les mangas, ce sont tous ces jeunes que je reçois à mon bureau. Ouais. Et puis les jeunes de ma famille aussi, évidemment. Et donc, moi, je suis rentrée dans la culture japonaise, vous le disiez. Moi, je suis un peu dedans depuis que je suis ado moi-même, à vrai dire. Donc, le Japon, j'aime bien. Et j'ai des amis là-bas, et voilà. Et la culture des animés et des mangas, oui, j'y suis venue par tous ces jeunes qui m'en parlaient tout le temps. Et donc, j'ai voulu un peu rentrer dedans. Donc, je suis partie avec le stéréotype qu'on est un peu tous adultes, je crois, ou en tout cas un grand nombre de parents et d'adultes de ma génération, de dire que c'était un peu gentillet, que voilà, c'était de la bande dessinée sans texte et qu'on n'arrivait pas à les lire et que ça n'avait aucun intérêt quand on connaît les grands classiques des bandes dessinées de ma génération, encore une fois. Et puis finalement, je me suis rendu compte que d'abord, le Japon produit beaucoup, 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 beaucoup. C'est-à-dire qu'on a tous les compartiments de la vie, on a toutes les situations du quotidien, on peut retrouver toutes les difficultés psychologiques d'un moment ou d'un autre, ou pas que psychologiques d'ailleurs. Et c'est écrit avec beaucoup de subtilité, avec beaucoup de finesse, avec beaucoup d'ouverture d'esprit, de générosité. Et donc finalement, on rentre là-dedans et on n'en sort plus. Mmh. Au-delà évidemment de l'aspect épique et grande aventure de tous ces animés et de ces mangas, bien sûr. Oui, parce qu'on retrouve finalement de tout hein, dans les mangas. On retrouve les super-héros, on retrouve aussi des histoires du quotidien, on retrouve de la science-fiction, on retrouve le côté effectivement épique. Mais il y a une variété aussi de personnages qui parlent beaucoup aux adolescents. Alors pas que, hein, parce que je connais pas mal d'adultes quand même qui lisent aussi beaucoup de manga ou qui regardent des animes, mais ils touchent ces adolescents et parfois provoquent l'incompréhension de leurs parents. Et finalement, votre livre, Manga Psycho, s'adresse aux deux, à la fois aux adolescents qui comprendront peut-être pourquoi certains univers leur parlent plus qu'à d'autres et pourront s'aider aussi de leurs personnages pour traverser parfois des soucis du quotidien, mais s'adresse aussi aux parents afin qu'ils comprennent pourquoi parfois certaines histoires touchent plus leurs adolescents ou leurs enfants que d'autres. Et quel est l'intérêt? Finalement, la curiosité des uns et des autres sera pleine satisfaite à travers cet ouvrage. Vous les citez quasiment tous, hein. Vous n'en ratez quasiment aucun. On retrouve les plus connus, My Hero Academia, on retrouve évidemment Naruto, One Piece, Hunter x Hunter et bien d'autres qui sont repris. Alors vous n'analysez pas à chaque fois les contenus, mais vous partez de situations finalement vécues et traversées par ces adolescents, comme l'estime de soi, l'apprentissage, vivre avec d'autres adolescents, les amitiés. Et vous vous servez de ces thèmes pour citer quelques-uns des personnages et décortiquer un peu en quoi ils sont semblables. Oui, tout à fait. J'ai pas voulu analyser chaque titre parce que c'était pas le propos. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de donner aux ados des clés finalement pour trouver des solutions dans des difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. Alors, on n'est pas dans la santé mentale. Hein. J'aborde un peu la santé mentale, mais c'était pas le thème de l'ouvrage. C'est plutôt le quotidien et de se dire dans telle situation, on peut se comporter comme tel personnage, tel héros qui malgré tout est un humain qui enfile son costume de super-héros dans d'autres circonstances. Et de se dire, ben voilà, lui, dans ce quotidien-là, qu'est-ce qu'il a fait? Et ça nous montre aussi qu'on peut sortir des difficultés, pardon, et de quelle manière on va en sortir. Et donc, à chaque fois, j'essaye quand même de donner un petit résumé des titres. Normalement, on a un résumé de chacun des titres, oui, quelque part, et des personnages. Mais effectivement, ce n'était pas le propos. Mais on a, par exemple, pour les difficultés scolaires, un titre que j'aime beaucoup, qui est Paradis Kiss, où vous avez Yukari, la jeune écolière lycéenne qui est soumise à une pression de folle. D'abord, on est au Japon, par les parents, par tout ça, et qui doit faire des études supérieures. Et elle croise tout à fait par hasard
hasard une équipe de jeunes qui sont dans une école de stylisme de mode. Et de fil en aiguille, elle va oser dire à sa mère que c'est parce qu'elle veut faire des études supérieures et qu'elle veut travailler avec ses amis. Et elle finira mannequin. On la retrouve 10 ans plus tard, elle est mannequin, elle a une vie super épanouie. Et donc ça, moi, c'est un exemple que j'aime beaucoup parce que ça montre à nos jeunes d'aujourd'hui qui ont un peu du mal, les lycéens parfois, à trouver leur voie, que s'ils suivent leur passion, ils peuvent y arriver finalement. Ils ne sont pas obligés de rester dans un truc académique. Et en même temps, ça montre qu'on peut parler à ses parents. Parce qu'au début, cette jeune fille, Yukari, elle n'ose pas. Évidemment, quand elles en parlent à sa mère, c'est un peu la tempête, c'est l'ouragan. Et puis petit à petit, la mère finit par se faire à l'idée. Et puis tout finit bien finalement. Mmh. Donc on peut dire que c'est juste une histoire, mais c'est aussi la réalité de tous ces jeunes que je vois quotidiennement. À la sortie du film One Piece, qui est un des grands succès de ces dernières années, à la fois en matière de lecture, mais aussi d'anime, à la sortie donc de ce film l'année passée, le journal télévisé de TF1 consacrait un sujet sur la question. Je vous propose un extrait. One Piece, un manga capable d'imposer le silence en un rien de temps. Ce qui les fascine, l'histoire d'un jeune garçon qui veut devenir roi des pirates. Au début, il était un peu nul, tu vois. Mais après, il est devenu super fort. C'est rigolo et il y a beaucoup de bagarres. L'auteur a beaucoup d'imagination. En 25 ans, il a déjà publié 101 tomes. One Piece est devenu le manga le plus vendu au monde cette année. Plus de 500 millions d'exemplaires écoulés. Le livre ne touche pas seulement les jeunes et les fans de manga. Certains thèmes ont converti des réticents. La question de l'esclavage, la question de l'abus de pouvoir, la question de la pollution, le fait qu'ils apparaissent en filigrane, cela permet de toucher un lectorat plus âgé. Comme tous les phénomènes, il est accompagné d'un marketing élaboré. Produits dérivés, expositions ou même concerts. Les séries et les films viennent compléter l'offre pour qu'il n'y ait aucun temps mort avant la sortie du tome 102 du manga au mois de septembre. Qui était donc bien sorti l'année passée. Avec Manga Psycho, vous citez souvent les personnages de One Piece. Ici, on entend un jeune garçon justement dire que ce qu'il aime bien chez le personnage de One Piece, le fils, c'est le côté, il était nul et puis il ne l'est pas finalement, aussi nul qu'il le pensait, et il devient quelqu'un de bien. Oui, c'est vrai, il n'est pas du tout nul. D'abord, il a une équipe, son équipe de pirates, et il s'occupe de son équipe avec, je sais pas comment je veux dire ça, avec humanité, avec gentillesse, avec leadership. Il est hyper personne en route finalement, et il sait où il veut aller. Il a son objectif et il garde le cap finalement. Donc oui, c'est un modèle aussi pour les de ce point de vue-là, bien sûr. Et ce sont souvent d'ailleurs des modèles de ce point de vue-là dans la construction de l'image de soi. On a souvent des personnages qui ne sont pas à l'image des héros qu'on pourrait imaginer et qui finissent par trouver en eux des étincelles qui leur permettent de grandir. Et c'est ce que vous proposez de faire aussi à ces adolescents à travers ces personnages, c'est de trouver leur propre étincelle, leur propre pouvoir. Oui, tout à fait, tout à fait. Effectivement, un héros comme All Might dans Boku no Hero, dans My Hero Academia, peut-être on s'identifie un peu moins. D'abord, il est adulte déjà, il a une grande carrière derrière lui, même si maintenant il est un peu faiblard puisqu'il passe le flambeau. Mais on va plus s'identifier à quelqu'un qui est comme nous, qui a des difficultés, qui, même si lui il en a quand même, mais qui est plus humain, plus proche de nous, et puis qui arrive à surmonter tout ça. Ça nous parle plus et on s'identifie et on peut trouver les ressources pour utiliser les mêmes stratégies finalement. Est-ce qu'il vous arrive en discutant justement avec des adolescents parfois de les surprendre en disant ah oui mais ça je connais et en fait il se passe ça et ça? Oui, à chaque fois j'utilise des références comme ça, ils n'imaginent pas que la psy qu'ils viennent voir pour leurs difficultés, d'un coup elle leur parle de Reinjäger dans l'attaque des titans ou de ce que vous voulez, mais vous connaissez, ça les surprend effectivement. On va revenir avec vous évidemment sur Manga Psycho, c'est paru aux éditions Payot, petit guide psychologique des mangas et des animes à mettre dans les mains des ados mais aussi de leurs parents. Ce sera juste après une page de pub. Tendance première. Nous sommes avec Béatrice Millettre pour cet ouvrage Manga Psycho, le petit guide psychologique des mangas et des animes, à mettre pourquoi pas sous le sapin et à découvrir aussi si vos enfants, vos adolescents, vos jeunes lisent énormément de mangas, et bien vous y intéressez. C'est aussi la possibilité de découvrir parfois que certains de ces personnages peuvent ressembler de près ou de loin à vos enfants. En tout cas, ils traversent certainement des périodes qui font partie du quotidien de l'adolescence.
avec des personnages parfois d'une complexité qu'on n'avait pas forcément imaginé à la base. Et c'est probablement le cas de Eren, qui est Eren Yeager, qui est le personnage principal du shonen L'Attaque des Titans, ou SNK pour les plus assidus, un shonen qui a été décliné donc en lecture mais aussi en anime, et la possibilité de découvrir avec Eren aussi la noirceur parfois de ce qui peut se passer autour de nous. Je vous propose un extrait. Chaque jour, je me demande comment on en est arrivé là. Ces corps et ces âmes brisées, ces gens dépossédés de leur liberté, amputés de leur identité. S'ils avaient su ce qui les attendait, ils ne seraient pas partis en guerre. Pourtant, il y a bien quelque chose qui a poussé chacun d'eux à s'engouffrer dans cet enfer. Le plus souvent, ce n'était pas leur propre volonté. Il s'agissait plutôt de la pression exercée par un autre ou par leur entourage. En revanche, ceux qui choisissent d'eux-mêmes de s'enfoncer dans les limbes n'ont pas le même regard que les autres. C'est comme s'ils entrevoyaient autre chose au fond de cet enfer. Peut-être s'agit-il d'une lueur d'espoir, ou bien d'un abîme plus noir encore. Pour le savoir, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est continuer à avancer. Extrait donc de L'Attaque des Titans avec ce personnage d'Eren Yeager dans SNK que vous citez régulièrement aussi dans cet ouvrage. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que quand on rentre dans L'Attaque des Titans, moi je peux vous dire, la première fois que j'ai regardé l'animé, c'est violent. Il y a des moments où j'ai détourné les yeux. Quand il y a une maman qui se fait grignoter par le titan, on dirait qu'il est en train de manger son pilon de poulet. C'est quand même un peu particulier, on va dire comme ça. Donc oui, c'est un peu violent quand même. Mais au-delà de ça, dans ce monde un peu dystopique ou très dystopique, on a Eren qui a cette personnalité très complexe et qui finalement, il garde le cap. Hein. On peut se dire, on l'aime pas au début, on est touché, on est avec son histoire qui est quand même très très compliquée. Il a des amis qui seront fidèles jusqu'au bout du bout du bout du bout. Et malgré ça, lui aussi, il garde le cap. Il a une ténacité, il a une volonté farouche de sauver son humanité, l'humanité des autres, je veux dire, enfin l'humanité tout entière. Excusez-moi, je m'exprime mal. Voilà, son amie Mikasa qui, elle le soutiendra envers et contre tout. Et ce moment très beau où ils voient tous la mer pour la première fois. Enfin, moi, je trouve que c'est remarquable de profondeur et de complexité, ce titre. C'est aussi la remise en question quand on doit faire face à des situations complexes ou à des questions complexes. Et on sait qu'à l'adolescence, justement, quand on est confronté à l'actualité, à la réalité ou ce genre de choses, eh bien, on ne peut plus forcément avoir la même façon de penser ou la même détermination dans ses convictions, qu'il faut parfois aussi faire des remises en question. Et tout ça est abordé finalement dans la complexité de ces personnages. Oui, tout à fait. C'est comment faire un choix, comment transiger, comment rester en phase avec soi-même, être soi-même, mais tout en continuant dans un monde qui nous parle pas forcément. Et oui, on a toute cette complexité. Et ça nous montre quand même qu'on peut y arriver. Enfin, pas qu'on peut, qu'on y arrive finalement et qu'on passe au-delà de tout ça en restant, en phase avec soi-même finalement. Mmh. Avec des questions qui sont abordées comme la dépression aussi. Alors, pas forcément dans L'Attaque des Titans, mais il y en a bien d'autres. Des mangas. Et d'ailleurs, souvent, le manga écrit, le livre est moins violent que le manga animé parfois, donc on peut faire des passages de l'un à l'autre aussi et comprendre que certains adolescents préfèrent parfois le livre que l'animé, mais la dépression par exemple, la santé mentale, vous l'avez dit, vous ne l'abordez pas très longuement dans l'ouvrage, mais ce sont des phénomènes qui aujourd'hui sont extrêmement présents dans l'adolescence. Oui, tout à fait. Les chiffres nous disent malheureusement, et je trouve ça tétanisant, qu'en gros, un ado sur deux va mal. Donc tout dépend de combien derrière va mal. Ils ne sont pas tous en dépression, au burn-out, etc. Mais globalement, ils ne vont pas bien. Donc la santé mentale, c'est un sujet important pour les adolescents. Ça, c'est vrai. Donc ce n'était pas un ouvrage directement sur la santé mentale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais j'aborde aussi pour déconstruire l'idée que les ados se font des pathologies mentales. Quand moi, je les reçois, ils me disent « Ah, mais moi, j'ai un troubles de personnalité multiple parce que finalement quand ils vont faire du cosplay et prendre l'identité de leur personnage, ils se disent mon avatar finalement c'est une autre personnalité, donc j'ai un trouble personnalité multiple. Et donc pour remettre aussi ces idées-là à leur juste place dans la définition, j'ai voulu faire des pages où on explique un peu ce dont il s'agit. Mais de manière peut-être moins noire sur la dépression, sur tout ça, c'est abordé. Moi il y a un animé et un titre que j'aime beaucoup qui est Bungo Stray
Stray Dogs, où on a Dazai qui est toujours en train de se suicider. Il a des bandages partout et ça rate à chaque fois, évidemment. Et donc ça je trouve que c'est aussi inspirant, non pas pour essayer de se suicider, mais pour montrer que le suicide rate à chaque fois. Et cet animé, ce titre, où chaque personnage a le nom d'un auteur de littérature, eh bien moi j'ai vu des jeunes qui sont rentrés dans la littérature aussi par ce biais-là. Donc pour les parents, comme vous disiez tout à l'heure, c'est aussi sympathique de se dire, en lisant des mangas, on peut rentrer dans la littérature, la vraie littérature, comme on dirait nous, finalement. Oui, avec aussi des personnages, parce qu'on parlait de la complexité, de la noirceur un peu derrière le personnage de Eren Yeager, mais il y a d'autres personnages qui sont, eux, d'un optimisme débordant, qui font du bien au lecteur lorsqu'il les croise. Vous citez par exemple Gon de Hunter x Hunter, qui a une conscience joyeuse et optimiste, dites-vous, ou bien Tsubaki de Your Lie in April, qui est toujours de bonne humeur, toujours là pour ses amis. Et donc, il y a aussi parmi ces personnages, des personnages qui peuvent redonner de la joie de vivre, de l'espérance et de l'optimisme. Oui, tout à fait. Et le personnage de Gon, alors, des fois on peut se dire qu'il est un peu horripilant parce qu'il est toujours de bonne humeur. On a l'impression que rien ne l'atteint jamais, que oui, il est toujours de bonne humeur. Mais il est capable de traverser le monde pour aller chercher son ami Kirua. Donc ça, c'est extraordinaire. On se dit, des fois on voit des jeunes qui disent mon ami il est parti, c'est pas grave, ça sera pas un ami. Mais non, pourquoi? On va pas le laisser partir. On traverse le monde et on va le rechercher. Et ça, il nous montre ça aussi, les personnages des animés, des mangas. Maintenant, il y a aussi, on parlait de la violence, il y a aussi une chose qui est souvent dénoncée par les parents. Et je vous propose un extrait justement d'une vidéo d'une influenceuse qui s'est spécialisée justement dans les décryptages de la vision des femmes ou des filles à travers les mangas, que ce soit en livre ou animé. Et elle s'arrêtait cette fois sur My Hero Academia. Bienvenue dans ce concept où on voit dans les shonen comment les meufs sont perçues. Pardon ? Donc les shonen, on sait que c'est un public qui est quand même particulier à la base, puisque normalement c'est fait pour les mecs. C'est là où justement c'est intéressant de voir comment les personnages féminins, qui sont censés être des personnages secondaires, ils sont traités, comment ils agissent avec le personnage principal, etc. Aujourd'hui, on va se plonger dans le fabuleux monde des super-héros avec My Hero Academia. J'aimerais bien juste traiter du nombre de meufs qu'on a à UA dans la classe A. On a une classe de 20 élèves, et sur ces 20 élèves, on a 6 filles. Enfin, 5, parce qu'il y en a une qui est invisible. Mais pour moi, le plus gros problème dans My Hero Academia, c'est la sexualisation de filles qu'on voit et qui sont censées être des adolescentes, hein, parce qu'on est dans My Hero Academia, donc une école. Et ces meufs-là, elles sont même pas formées et elles sont hyper sexualisées. Parfois même, ce qui m'a marqué, c'est pas uniquement l'aspect visuel de ces jeunes filles, c'est même leur posture. Leur posture qu'on voit dans l'anime ou dans le manga. Il y a des persos pour lesquels on peut quand même se demander si Horikoshi, il abuse pas un tout petit peu. Horikoshi étant le créateur des personnages de My Hero Academia. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent d'hypersexualisation quand on parle des mangas, mais c'est réduire finalement les mangas à un certain type, parce que vous démontrez aussi, à travers quelques exemples que vous donnez dans certains de vos chapitres, notamment sur la construction de soi, etc., qu'il existe aussi des personnages féminins dans les mangas qui sont plutôt des femmes fortes, qui vont s'assumer, et surtout qu'on y trouve une diversité qu'on ne trouve pas toujours dans d'autres univers de bande dessinée. Oui, tout à fait. Et pour revenir sur My Hero Academia, effectivement, les jeunes filles sont peut-être visuellement très sexualisées, mais en même temps, si vous voulez, quand vous regardez, c'est leur choix, elles gèrent leur vie comme elles le veulent. C'est pas une image négative de la femme, c'est une image où elles ont choisi d'exacerber ce côté-là pour non pas être hypersexualisées elles-mêmes d'ailleurs, mais c'est le type de personnage qui les rend puissantes finalement. Et donc on peut pas dire que ce soit de la masculinité toxique qui conduit les femmes à se comporter de cette façon-là. C'est leur choix à elles, et elles sont tout à fait autonomes et indépendantes, y compris dans l'image qu'elles veulent renvoyer d'elles. On a des acteurs et on a plein d'exemples de femmes aujourd'hui qui sont puissantes et qui sont hypersexualisées, et c'est pas pour autant qu'on va dire que c'est de la masculinité toxique, par exemple. Et donc, c'est vrai, au-delà de cet aspect, d'abord, ce qu'il faut bien dire, c'est que les shonen sont lus aussi beaucoup, 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 beaucoup par des filles, mm-hmm. et pas que des garçons. Moi, j'en reçois beaucoup qui lisent des shonen. Oui, alors qu'à la base, à la création des shonen, il y avait un public plutôt de garçons qui étaient visés par les shonen. Et puis, on s'est aperçu qu'effectivement, il y a quasiment autant de filles que de garçons qui regardent ou qui lisent des shonen. Exactement. Exactement, et ce sont ces jeunes filles qui ne sont pas du tout choquées par l'aspect physique dans My Hero Academia de ces jeunes femmes, alors que pourtant les valeurs d'égalité, de sexisme sont au cœur de leur identité aujourd'hui.
Donc oui, les shonen, c'est tout le monde aujourd'hui. Et puis, on a dans tous ces autres titres, finalement, des jeunes filles qui sont, comme toutes les jeunes filles, les lycéennes, les étudiantes, qui se comportent à peu près... Enfin, qui sont habillées de la même façon que tout le monde et qui sont des exemples inspirants. Je sais pas, on a dans Wonder Egg Priority tout une bande de jeunes filles qui sont... qui vont sauver les autres. On a... comment il s'appelle ce titre-là ? Avec le syndrome de l'adolescence, excusez-moi, ça m'échappe. Où on a des filles et des garçons d'ailleurs qui traversent l'adolescence de manière en s'aidant les uns les autres. Et donc oui, on n'a pas cette image hypersexuée dans tous les titres, mais il faut bien voir que les animés et les mangas vont aborder tous les compartiments de la vie et toutes les situations qu'on peut rencontrer à un moment ou à un autre aussi. Donc c'est plus large que juste des shonen. Vous vouliez parler de Bunny Girl Senpai. Oui, c'est ça, Bunny Girl, voilà. Merci. Merci. Mais je vous en prie, j'ai le livre devant moi. J'ai juste été retrouver la page. Pas de miracle là-dedans. On parle aussi beaucoup de diversité, parce que vous le notez et vous le mettez en avant, il y a pas mal de mangas qui ont des personnages et des couples de personnages LGBTQIA+, qui sont mis en avant, qui sont parfois des personnages principaux, parfois des personnages secondaires, mais ils font partie de la communauté des personnages des mangas. Oui, tout à fait. C'est ça que je trouve extraordinaire, c'est qu'ils sont là, mais en fait, ils ne sont pas là. Ils sont là et ce n'est pas un sujet, finalement. Ils sont là comme... Ils sont là au titre de personnages, soit principaux, soit secondaires. Ils font partie de la vie, ils font partie du quotidien, ils font partie de la société, ni plus ni moins. Alors, on a parfois, oui, des perles dans les dialogues ou dans Paradis Kiss, on a Isabelle et Georges et Georges qui lui offre sa première robe alors qu'elle n'ose pas être une femme trans et qui le sera finalement tout au long de sa vie. Et c'est venu, encore une fois, tout en douceur, avec subtilité, sans que ça pose de questions à personne, finalement. Mmh. On a des couples gays, ils sont là, il y en a un, il perd son copain parce qu'il s'est suicidé, mais voilà, ça choque personne, c'est pas un sujet. Et ça, je trouve ça remarquable, justement, que ça soit pas un sujet, pour montrer à tous ces jeunes qui sont plutôt dans la communauté LGBTQIA+, que c'est possible, finalement. C'est possible. Alors, pour ceux qui nous suivent et qui ne connaissent pas, on a parlé plusieurs fois de shonen, donc il y a plusieurs genres, en fait, dans les mangas, plusieurs formes dans les mangas. Les shonen sont plutôt à destination, au départ, des jeunes garçons, parce que tout ça s'est mélangé maintenant dans le lectorat. Les shonen pour les garçons, les shoujo pour les filles. Il y a les seinen qui sont plutôt à destination du grand public, et il y a encore à côté de ça les kodomo. Donc il y a différents genres, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait véritablement un livre ou une série qui soit en particulier destinée à l'un ou à l'autre, parce que le lecteur s'est emparé de tout ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Les lecteurs, ils vont lire tous ces types de titres que vous avez évoqués, effectivement, indépendamment qu'ils soient garçons, filles, trans, bi ou n'importe quoi. Ils vont dans le titre qui leur parle, tout simplement, c'est tout. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Avec aussi dans Manga Psycho, à la fois on découvre ces personnages, ces séries, vous mettez en avant beaucoup les particularités des uns et des autres. On voit qu'à chaque fois, ils traversent le quotidien des adolescents à travers l'amitié, l'estime de soi, la construction de soi, mais aussi l'amour, parce qu'il y a beaucoup d'amour, mais alors l'amour est décliné de manière parfois très fantasque, ou bien très réaliste, mais chacun y retrouve un peu sa manière de voir les choses ou sa manière de la vivre. On va y revenir avec vous, évidemment, Béatrice Millettre, avec Manga Psycho, le petit guide psychologique des mangas et des animes. C'est paru aux éditions Payot. Je rappelle que vous êtes psychothérapeute, spécialiste des adolescents et depuis longtemps passionnée de culture japonaise, et que vous vous servez de ces mangas aussi pour discuter avec ces adolescents que vous rencontrez dans votre cabinet. On reprendra également éventuellement vos questions qui arrivent sur la page Facebook. Tendance première, Véronique Thiberghien. Il y a un phénomène qui est beaucoup abordé, Béatrice Millettre, dans les mangas, c'est celui du harcèlement, et notamment le harcèlement scolaire. Alors, il faut dire que le harcèlement, c'est un véritable fléau aussi dans les pays d'Asie, et particulièrement au Japon. Et donc, c'est pas étonnant de retrouver cette thématique dans les livres, mais on la retrouve véritablement à la fois du côté du harceleur que du côté du harcelé. Et c'est ça que vous trouvez aussi intéressant.
Oui, tout à fait. Alors, on a, à partir du moment où on va à l'école, on a malheureusement, enfin, je dis à partir du moment, ça devrait pas, mais c'est la réalité malgré tout. On a du harcèlement et c'est abordé donc aussi bien des deux côtés. Donc on a et y compris des solutions éventuellement qu'on peut mettre en place. Donc on a dans A Silent Voice ce garçon oui. qui va harceler une jeune fille qui n'entend pas. Et après, ça se retourne contre lui, il devient harcelé à son tour, et petit à petit, enfin, on va pas dévoiler, mais on a finalement un peu, sans justifier ce qu'il fait, un peu un éclairage de comment il en arrive à se comporter comme ça. Donc on comprend que finalement, c'est sa douleur intérieure qui va un peu en raccourci le pousser à se comporter de cette façon. Et donc on a cet aspect-là qui est quand même assez intéressant aussi à prendre en considération, parce qu'on sait aujourd'hui dans la lutte contre le harcèlement qu'on ne peut rien faire si on ne s'attaque pas aux harceleurs eux-mêmes. Il n'y a pas juste le côté du harcelé. Et puis on a dans cet autre Yurla in April, qui a été sélectionné justement par le gouvernement japonais contre le harcèlement au Japon. On a à un moment donné, donc c'est un petit passage moi que j'ai trouvé très très beau, où on a un des professeurs et qui parle à un jeune dont l'ami est harcelé, et ce professeur lui dit « Mais tu sais, si elle ne veut rien faire, elle, on peut rien faire. » Et la jeune fille va changer d'école pour arrêter d'être harcelée, ce qui est aussi une très bonne solution d'ailleurs. Et donc finalement, on a beaucoup d'aspects qui sont abordés et qui sont intéressants. Alors ça résout rien, on n'a pas des grandes stratégies, on n'a pas des grandes solutions comme ça d'un coup de baguette magique, mais ça donne des pistes de réflexion et ça c'est très intéressant. Et ce qui est intéressant, et vous l'avez noté, le gouvernement l'a fait à travers le harcèlement, pouvoir mettre en avant des mangas ou des épisodes ou des séries en particulier pour parler et aborder ces questions dans l'école, mais il n'y a pas que ces questions-là d'ailleurs, et on voit à quel point le manga a une telle importance dans la culture japonaise et aujourd'hui aussi dans notre culture. Je rappelle que c'est quand même la moitié des ventes dans le genre de bande dessinée qui concerne des mangas, que ce soit en France ou chez nous, donc c'est quand même assez énorme et ça touche pas mal de monde, mais à quel point aujourd'hui les gouvernements sont touchés par les sujets qui sont traités là-dedans, et que si certaines choses doivent être vécues avec toute la désinvolture qu'il faut et qu'il faut mettre aussi dans les histoires qui sont drôles, rigolotes et autres, il y a aussi la gravité, et parfois ça permet véritablement dans des classes, on l'a vu dans des classes en France ou en Belgique, d'aborder des sujets qui concernent les jeunes et des sujets de société. Oui, tout à fait, et c'est ce que je disais tout à l'heure, finalement, c'est que dans ces animés et ces mangas, on aborde tous les sujets, donc à partir du moment où on prend un exemple bien choisi pour parler du sujet d'importance qui sont le harcèlement, l'agression sexuelle, peu importe ce que vous voulez, la phobie scolaire ou n'importe quoi, mais ça donne au moins un point d'entrée, et avec des codes qui sont ceux de nos jeunes d'aujourd'hui, parce qu'effectivement, les mangas, les animés, la France, c'est le deuxième pays consommateur de manga au monde. On est juste derrière le Japon. Donc c'est aujourd'hui un média qu'on ne peut pas oublier et dont on ne peut pas faire abstraction finalement. Et on y parle beaucoup d'amour aussi quand même dans les mangas. Oui, bien sûr. Alors, j'ai volontairement pas parlé d'amour au sens pornographique, parce que non, ça existe aussi. Entendons-nous, on est d'accord, parce que ça existe aussi. Mais c'est pareil, moi, c'est un mot que j'utilise beaucoup, de dire c'est avec finesse, avec subtilité, et on a dans Insomniacs après school, à un moment, le jeune homme, ils sont pas vieux, hein, ils ont pas l'air bien vieux, et qui dit à sa copine, est-ce que tu permets que je t'embrasse? Je trouve ça, c'est très mignon, et c'est ce qui est abordé au-delà du fait que ce soit mignon, c'est le thème du consentement permanent. Et ça, c'est aussi quelque chose assez récent, de dire à n'importe quel moment, dans un acte d'amour sexuel ou de tendresse, on demande à l'autre s'il est d'accord, le partenaire. Et ça, on le voit aussi de manière très, encore une fois, subtile et très bien amenée et pertinente. Et ça percute quand même. On se dit, ah ouais, quand même. Ou à un moment donné, celui qui s'appelle Nana, que j'ai beaucoup aimé, où le partenaire lui dit, mais est-ce que je te fais pas mal? Est-ce que... ah, mais moi, je trouve ça remarquable pour des jeunes aussi, de voir qu'à tout instant, toutes les secondes, on pense à l'autre. Avec effectivement Nana qui aborde beaucoup aussi l'amitié et les difficultés de devenir adulte, notamment à travers la colocation et les choix de vie qui sont faits dans ce manga.
Oui, tout à fait. Alors, Nana, moi, je l'ai beaucoup aimé parce que peut-être ils sont plus adultes et plus proches de. Enfin, pas plus proches de mon âge quand même, mais plus adultes. Et avec des choses. Pas mon âge non plus quand même, mais pas du tout. Mais c'est des sujets, effectivement. Puis les deux nanas, elles sont tellement touchantes. Il y en a une, on a envie de la secouer. L'autre, on a envie de la prendre dans ses bras parce qu'on sait qu'elle a vécu beaucoup de traumatismes. Mais quand même, c'est pas simple sa vie. Et puis au milieu de ça, il y a toute la bande de copains qui sont là. Enfin, oui, moi, je trouve que c'est un titre remarquable pour ça. On a envie de vivre avec eux, finalement. Découvrir cet univers, c'est aussi découvrir la diversité des histoires, des livres qui existent aujourd'hui. À chaque fois, vous avez un mot sur l'ensemble des séries que vous avez pu découvrir, à tel point que je me suis demandé, mais elle n'a pas tout lu, c'est pas possible. Alors, pour être honnête, non. Je suis plus. Non, vous voulez pas. D'accord. Alors, allez-y. Non, pour être honnête, j'ai plus regardé que lu. Ouais. J'en ai lu, mais personnellement, j'ai plus de facilité avec les animés qu'avec les mangas. Je les ai lus quand même, les mangas, voilà, mais les animés, je les ai tous regardés. Ouais, je suis un peu comme vous, je suis plus animée que lecture avec quelqu'un. Je trouve ça, c'est plus facile. Ouais. Oui, j'ai plus de mal, mais je les ai tous regardés, effectivement, entiers. Et à un moment, par moment, je cite des passages, des citations, je pouvais pas les trouver au pif. Donc oui, et j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir avec des titres plus que d'autres, évidemment, qui me touche plus que d'autres, mais oui, je les ai regardés. Effectivement. Un livre, comme je le disais, à la fois à destination des jeunes, mais aussi de leurs parents, véritablement, pour découvrir que les mangas, d'abord, ça ne se limite pas à Naruto, One Piece ou à d'autres dont on parle beaucoup ces derniers temps, qu'il y en a d'une diversité assez remarquable, avec aussi la possibilité de trouver des ancrages, des possibilités aussi de discussion, que ce soit en classe ou en famille, et découvrir qu'on a peut-être énormément d'a priori quand on est adulte et qu'on n'a pas encore croisé le chemin des mangas sur cette littérature et sur ce genre en particulier, alors qu'il y a certainement des choses intéressantes à en retirer. Merci beaucoup Béatrice Millettre d'avoir pris de votre temps pour nous parler de cet ouvrage. Merci à vous, c'était passionnant. On voit que vous les avez lus et regardés aussi. Bon, alors voilà, je dois dire que je suis pas une fan, je ne pourrais pas dire ça, mais j'en connais quelques-uns et j'apprécie le genre que j'ai pu découvrir. Ça se sent, voilà. Ça se sent. Merci beaucoup Béatrice, belle journée à vous. Merci à vous aussi.